Bonjour et bienvenue, on est reparti. Donc on va continuer notre petite découverte en mode aventure et tout ça. Donc la dernière fois j'ai fait une vidéo et tout. J'ai mis en image en fait, en miniature et tout, et en titre, ce qu'on avait trouvé. Parce que ça peut intéresser les gens vu que c'est complètement aléatoire à chaque fois que vous faites des choses. Donc ça qui est plutôt cool. Donc ouais, la dernière fois on avait fait le salon du postulant. On l'avait fini. Il faut se remettre en QWERTY, c'est vrai. On avait fini ça. Donc on a deux traits. Je sais pas. Expertise. Ouais, la recharge de talent. Parce que plus j'ai de talent, plus ça recharge vite. Et plus je régène et plus je suis invincible en fait. Genre là on est à 67,4. Du coup maintenant 66,4. Pas mal. Donc du coup on avait fini ça. Et il nous manque un anneau, mais je peux pas le prendre, il faut être à deux. Et je peux rejouer à deux en fait depuis. Vu que ça fait techniquement une heure. Enfin bref, c'est pas grave. Donc on va continuer à visiter l'Osmum. Enfin cette zone quoi. Donc c'est cool, j'espère qu'on va trouver des autres trucs. Alors, on avait... Donc lui nous avait donné, le fou du roi il nous avait donné une plume pour pouvoir dessiner ça. Ouais, on va remonter, c'est parti. On va remonter. Alors en théorie ça nous ramène là. On a un hôtel ici. On a une porte, on sait pas ce que c'est. Ah oui, ça c'est la porte je crois qu'il faut ouvrir avec une dalle. Ou alors c'est celle-là, je sais plus. C'est une des portes. Ah, raccourci. Ah c'est sympa la porte comme ça. C'est sympa. Ah, je crois qu'il y avait beaucoup de monde ici. Ah, on peut dessiner. On peut dessiner la porte. Là aussi, cool. Ouais, on a toujours ce masque là. Je sais pas trop à quoi il sert pour le moment. Est-ce qu'on va mourir ou... Non, on est invincible. Hop là. Ah, moi j'avance dans les donjons et tout ça, c'est plus fun, parce que bon, ces monstres-là, on les a déjà tués, c'est pas vraiment intéressant. Donc, let's go. Alors, là, on est où? Au Fairbourg. Ok, ça marche. Ah, là, on est à l'extérieur. Oh, cool. Le Fairbourg. Alors, le Fairbourg, est-ce que je l'ai déjà fait? Faut faire attention à ceux avec les armes à feu, ils font très très mal. Okay. C'est bête que dans l'animation je peux pas faire de... Je peux pas esquiver. J'aime bien quand ils se tirent dessus, c'est marrant. On a un gros qui arrive, je crois. Faut que je recharge mes armes. On peut faire des glissades aussi. Hop. Pas mal. Pour moi, ça ne sert pas à grand chose. Moi, je suis plutôt bourrin à courir dans la tête des ennemis, donc... Ils sont bien tes bombes. Ah là. Ok, très bien. Je pense que c'est peut-être avec le boss qui balance des bombes. Ici. C'est peut-être ce boss-là. Parce qu'il y a des ennemis qui balancent des bombes déjà.
Donc, c'est possible que ça soit ça. C'est un boss que j'ai déjà fait. Pas très dur. Je me demande s'il y a plusieurs façons de la... Je crois que c'est une femme, de la tuer. Je dirais, à part faire péter des bombes, en fait, dans sa main, je voyais pas trop de choses à faire, en fait. Donc, on peut tester ça. Mais c'est un peu chaud, hein, évidemment. Que bon, s'il faut la tuer comme ça, bah, on n'a pas vraiment le choix à l'erreur. Le droit à l'erreur, pardon. Alors, ça, c'est quoi? C'est fermé. On peut voir un peu. C'est une sorte de cage d'ascenseur. Ah, après, honnêtement, ça me dit rien. Genre la cage d'ascenseur, là, comme ça, ça me dit rien du tout. Parce que c'est pas la tour. La tour, je crois que ça fait partie de l'histoire. J'en sais rien. C'est peut-être un événement aléatoire. Ok, je t'ai pas touché. Mec un peu partout. La dernière fois on avait trouvé un arc. C'est un peu bête parce que c'est un peu inutile pour moi. Joli. Joli enchaînement d'habilité et tout. Ça y est, je te dis. Je tire sur les chiens parce que honnêtement dans ce jeu avec les traits qui se débloquent un peu aléatoirement en faisant plein de trucs. Genre ça là. On en a des nouveaux en faisant un peu plein de trucs. Je suis sûr que genre tu... Wow! What the fuck? Ça m'a tué? Ah non. Si. Oh ça tue! C'est quoi ce truc? Ah. Je suis dans une nouvelle zone. La fresque. Oh ok. Enfin pas une nouvelle zone mais la créature m'a mis autre part. Intéressant. Putain, t'es résistante. Hein. Attends, elle est où? Pierre mystérieuse. Comment ça, Wallace? Wallace? Ça m'a remis toute ma vie et tout, c'est pour ça en fait. Ça m'a remis toute ma vie, mes munitions. Bon, c'est comme si j'étais mort en fait, au final. On fait voir un peu ce qu'on a récupéré. Du coup, on avait de la chance, on avait la boule de feu. Alors, dissipe les effets. Ah, ça y est, on a trouvé un objet enfin, putain. Baume purifiée, ça c'est pour enlever la malédiction, ça c'est super utile du coup. Alors, ça, une telle pierre est recherchée sur Terre depuis des millénaires. Le fait qu'elle existe et surtout qu'elle existe ici soulève de très nombreuses questions. Ah, c'est peut-être pour faire une arme. C'est peut-être pour faire une arme. Ah, c'est cool. Événement aléatoire comme ça. Ça, c'est vraiment purement random, quoi. Genre, tu passes à côté de ça, tu te fais grab, quoi. C'est tellement... Il n'y a aucune indication, quoi. Ça qui est marrant dans le jeu, c'est vraiment fun. Ok, je tire très mal. Je vais être honnête, alors j'aime beaucoup mon build. Hein. Le truc de tank et tout ça, je kiffe, hein, c'est marrant à jouer. Mais j'avoue que...
Dans un sens, je suis impatient de changer. Dans le sens où, chasseur, on peut cibler des points faibles et tout ça, faire de gros dégâts. Genre, peut-être jouer avec l'arc qu'on avait récupéré la dernière fois, ça serait marrant. Oh merde. Ah putain, cette fumée à la cour. Tiens, ça va prendre. Oh la vache, ouh, le joli lancer quoi, pas mal. Il était très joli ce lancer. J'ai plus qu'une charge de mon habilité. Faut faire gaffe. Ah, ils sont en train de combattre la créature. Je crois que j'ai pas le jeu qui tourne à 60 fps là. Je crois que je vais être à 50. Je crois que quand je suis en stream, il tourne à 40. Entre 40 et 45, c'est pas fameux. Hein. Niveau optimisation, c'est pas fameux. Hein. Parce que le jeu, honnêtement, il est pas plus beau ou il n'y a pas plus d'effet que le premier Remnant. Il n'y a aucune raison qu'il tourne mal. Non, enfin, c'est pas grave. Ça arrivera avec le temps, comme d'habitude. Cette année a été une catastrophe hein, pour les jeux optimisés. On avait déjà parlé. Ça va, vous vous amusez bien ? Vous y arrivez ou pas? Non mais... Faites pas attention à moi, hein. Attends, on a notre feu. Tiens, regarde-moi ça. C'est bien, c'est pas abusé, la tormente. Vraiment pas abusé du tout, c'est bien. Elles font mal, hein. Les femmes aux armes à feu, là. Super, même. Bon, bah, nickel. Attends, il y a une échelle là-haut. Un truc aussi, dans les options, il n'y a pas la touche pour sauter, la touche pour grimper, en fait, c'est exactement la même touche. Il n'y a pas de dissociation, c'est vraiment embêtant au niveau point de vue gameplay, des fois. Parce que des fois, on veut aller vite et tout, dans les mouvements et tout, et du coup, on peut pas, quoi. Genre, notre personnage va vouloir faire des roulades au lieu d'agripper un rebord. Des trucs comme ça, c'est un peu bête. Alors on est ouf. On va... Ouais, on peut continuer de ce côté-là. De toute façon, on est là pour visiter. Hein. J'ai pas oublié un objet. J'ai pas vu un objet violet ou... bleu. Ah, tiens, un nouvel endroit. C'est quoi? Qu'est-ce que ça nous dit, là? Point d'interrogation. Peut-être boss, ça. On va voir. Ouais, si, c'est boss. Ouais, je crois que c'est le boss que j'ai dit. Quartier des Lémar. Ouais, je crois que c'est ça. Engrammes. Les engrammes sont des objets rares et étranges qui peuvent être apportés à Wallace pour qu'il les étudie. Chaque engramme est unique et débloque de nouvelles archétypes. Ah, tu vas me dire qu'on a... Ça, c'est un engramme. Étonnant. Ça, c'est peut-être un... J'en sais rien, objet de quête. Non, j'en sais rien, on verra. Oui, je crois que... Je pense que c'est elle. Les gens, si on leur tire dessus, ils prennent feu ici. Parce qu'ils sont pleins de... Ils sont enduits, en fait, de goudron.
Donc s'ils nous tapent, on brûle. Ça, c'est un peu chiant. C'était un peu sur la tête, là, non? Je tire un peu sur le mur en fait. Ah putain, il est pas rechargé, pardon. Bon bah voilà. Ouais. Ouais. Ouais, c'est exactement le même endroit, je me rappelle du coffre ici. J'ai fait en stream ça. Après, c'est peut-être pas là le boss. Peut-être qu'il y a autre chose avant. Ça m'étonnerait. On va voir. Ah non, c'est la partie horloge. Ah, ça en fait des horloges. Il y a toujours... Ouais, est-ce que c'est le même du coup? Je crois que c'était genre ça. Yes, c'est ça, c'est le même, ok. L'engrenage. Ok, donc non, ici c'est la partie horloge. Ok, donc vous avez vu le chiffre que j'ai mis, l'heure que j'ai mis. C'est toujours la même apparemment. Deux fois d'affilée, j'ai la même. Donc bah, ça veut dire que la cage d'ascenseur ou je sais pas trop quoi là qu'on a vu, c'est la tour de l'horloge. Même si ça s'est pas affiché sur le, bien sur la map. Bon, on peut partir. Bon, un peu déçu du coup. Un tout petit peu déçu. Aussi, on peut se téléporter maintenant dans les différentes zones d'une région. Ça, ça y était pas dans le premier. Je devrais faire ça. Ah, c'est là-haut. Ouais, c'est là-haut. Ils sont en train de combattre la grosse bestiole, je crois. On s'en fout. Quoique, on peut la tuer vite fait, on a notre feu. Z les mecs. C'est bon. J'ai bien. Place. J'aime beaucoup la vague de souffle là. C'est le souffle assommant, je crois. C'est ce que j'ai récupéré au tout début, là. Ça marche super bien. C'est vachement pratique. Hein, pour, quand il y a beaucoup d'ennemis. Grosse bestiole, parce que s'il y a une grosse bestiole, ça me fait beaucoup de fer. Ah oui, je crois qu'il y a du combat là-bas.
On va aller voir. Il a changé de cible ce coup. Nickel, let's go. Let's go. Ça doit être le boss, je crois. Si on a les gens qui balancent les bombes, ça m'étonnerait qu'on ait pas ce boss là en fait. Je serais très étonné. Ah, c'est les égouts, ça ? Tendu du moissonneur. C'est peut-être un truc que je connais pas. Non, c'est... Non, je connais. Ok. Aussi, vous avez... Quand j'utilise ça, moi... Ça augmente mes... mon mode, vous voyez ? La puissance. Hop, je le récupère, c'est vachement bien. J'utilise rarement, mais... Mais bon. C'est vrai que c'est vachement bien. J'aime beaucoup mon setup que j'ai. Vraiment cool. Alors normalement, c'est un mec qui pleure. Ouais, c'est lui. Ah putain, monte. Tout est de ma faute. Ouais. Alors je crois que c'est sa femme. Il faut lui ramener un colis en fait. On va mettre la lumière. Je vais être honnête, c'est pas super compliqué. Ça va faire la troisième fois que je le fais aussi. Je crois que j'ai rien à récupérer en fait. C'est peut-être là le boss. On va recharger. Ah merde. Merde. Oui, c'est le boss. Ouh, il se téléporte. Inarrêtable les téléporteurs, ok. Alors lui, on peut avoir un meilleur moment, c'est l'enchaînement des étapes. Et si on monte... Après, je suis pas vraiment bien. Putain, ça c'est chiant que des fois il veut pas monter. Recharge. Là, il va partir peut-être. Ok, bien. On va recharger. Je crois qu'il est revenu. Ouais, il a récupéré de la vie partout. Ah putain de merde. Oh oh. Vous voyez le fait de faire des roulades au lieu de monter ça, le problème d'avoir de pas avoir de touches différentes pour esquiver, pour faire des actions. C'est bien hein. Mon dieu les trucs quoi. Ah j'ai plus de. Ok, j'ai plus de d'habilité. Ah c'est horrible ces trucs. Merde.
t'énerve énormément. Non, fais pas de roulade, bordel de merde. Monte, je t'en supplie, quoi. Sans les machins là, ce serait, il y aurait pas aucun problème. Sans les machins là qui balancent des trucs électriques, il y aurait zéro problème. Quelle merde. Vraiment de la merde. Enfin bref. Les gars de stabilisation, c'est quoi ça? Ah, dégâts de déstabilisation. Putain, je me fais attaquer, bordel de merde. Alors, dégâts de déstabilisation, ça m'intéresse. En tout cas, on a récupéré donc ça. Donc, c'est là l'objet de quête qu'il nous faut. Mais voilà, si vous avez deux rebords en fait, l'un de proche de l'autre, ce que vous pouvez faire, c'est de sauter de l'un à l'autre comme j'ai fait là. Et la créature, du coup, elle met du temps à chaque fois à essayer de vous choper. Pensez à faire du corps à corps à la place à un moment aussi. Mais... Normalement on a fini la zone. Hein. Je crois qu'il y a rien. Enfin, je peux pas confirmer. Il y a peut-être des trucs aléatoires en plus. Mais je sais qu'il y a des anneaux. J'avais trouvé pas mal d'anneaux. Ici, genre 2 ou 3. On les a déjà, donc du coup on va pas les retrouver. Mais faudrait que j'utilise les consommables, je les utilise jamais. Pourtant j'ai de l'argent. Ouais, j'ai de l'argent, je peux en acheter plein des consommables. On va aller aux endroits qu'on n'a pas vus. Mon sac est plein. Ça, c'est un anneau. Pierre alchimique. Ah, on l'avait pas sûr. Augmente le vol de vie de base de 5% lorsque vous souffrez d'un malus ou d'une affliction. Et merde. Très bien. Voilà, on a trouvé un nouvel anneau. Si jamais je veux faire plus de corps à corps, je crois qu'il faudrait que j'utilise le rempart, notre habilité, genre ça. À la place, là on pourrait faire un truc, mais bon, il me faudrait une meilleure arme, je pense. Même moi, j'arrive pas à me retirer du tourbillon. J'ai un peu joué. Ouais, je fais de la merde. C'est pas grave.
De toute façon, il n'y a aucune pénalty à mourir. Il y a zéro pénalty à mourir. Ouais, toujours l'argent et tout. Dites, avez-vous... Bon, je vais zapper la conversation parce que c'est honnêtement, c'est le mec qui arrête pas de pleurer. Maintenant. Voilà. Lui, je sais plus ce qu'il donne. Je crois qu'il donne un anneau. Je suis plus trop sûr. Je crois que c'est un anneau qui donne, mais je sais plus lequel. Je l'ai fait en stream. Donc, tout premier stream sur Remnant, si vous êtes curieux, vraiment. Ah. Attends, je me suis couru. Je me suis suicidé quand même avec mon feu. C'est pas grave, ça arrive. C'est où? Ah, peut-être que le monstre est mort aussi. Ouais, non, non, on va pas aller. Ouais, parce que du coup, ça serait là, non? Bon, c'est pas grave. Ce n'est point grave. Méga résistance et merde. Lâche pas maintenant. No. Non, on a une échelle. Ah, c'est quoi ça? Ouais. Les traits, c'est vraiment pas compliqué à monter. On en trouve beaucoup. Et je crois qu'on m'a dit qu'il n'y en avait que 3 ou 4 qu'on pouvait monter au max. Donc ça, c'est un peu bête. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est qu'augmente le rayon des dégâts de zone. Bon, on n'a pas vraiment de dégâts de zone. Augmente la génération de puissance de mode des attaques au corps à corps. Je pense qu'on va prendre esprit, augmente la génération de puissance de mode. Ouais, je pense. De toute façon, on peut le reset, il y a un objet pour ça. Je l'avais vu à un magasin. Passage là, pas sur la carte en plus. Ah, il nous faut un code. Sûrement une écriture quelque part, un code à prendre. Oh la vache. Je crois qu'on a trouvé les codes. Je vais pas tous les utiliser. Ah ouais, d'accord. Ah. Trois, deux, un, quatre. M'aurait étonné aussi. Ah, attends, le 1. Pourquoi le 1 brille? Ah! Le 1 doit être bon, en fait, j'imagine. Il n'y a pas d'autres codes qui brillent.
Enfin, je sais pas, je le vois comme ça. Il y a rien d'autre qui brille. Peut-être faut trouver des dalles. 8. Ok. Ouais, non, c'est ça. Le dernier, c'est 3. Donc, quelque chose, 8, 1, 3. Ça brille avec la lumière. Quelque chose, 8, 1, 3. Bah, après, je peux le trouver moi-même, en fait. Ouais, on peut le faire. On peut le forcer, hein. On peut le forcer. Alors on va faire 0. Alors 0, 8, 1, 3. Non. 1, 8, 1, 3. Deux, 8, 1, 3. 5, 8, 1, 3. Voilà le code. Bijoux de famille rouillé. Vous voyez que même l'endroit, même si c'est le même, bah ouais, il faut le faire. Il faut le faire quand même. Ça, ça tue. Hein. Accorde 2 cumuls de rempart en dessous de 50% de santé. Les cumuls de rempart, en fait, c'est pas vraiment pour vous sauver. En fait. Donc je vois pas pourquoi, à quoi ça me servirait vraiment. Genre vitesse de déplacement et de frappe. De 50% frappe et 50% de dégâts au corps à corps. Après, le niveau de déstabilisation, c'est bien. Mais ça me m'aide pas vraiment en tant que normalement. Si ça augmentait ma défense ou quelque chose comme ça, rempart, ce serait pas mal. Mais enfin, je suis pas bête quand même. C'est bien ça, rempart. Là, ils expliquent bien ce que ça fait rempart, non? Bon, bah, c'était sympa comme, comme secret. Un truc. Ah, j'ai vraiment peur. Ah non, attends, non, non, je dis des conneries, hein. Réduit les dégâts de 11%. Mais c'est bizarre qu'il t'explique pas nulle part ce que ça fait rempart, en fait. Donc rempart, bon, c'est bien ce que je pensais dans ma tête, en fait. Des dégâts en moins. Donc ouais, non, là, ça peut être intéressant. Deux cumuls de rempart en dessous de 50%. Genre constant. Parce que si c'est constant, ça peut être pas mal. Vous liez ça avec l'anneau que j'ai, là, en dessous de 30% d'HP, j'ai 25% de dégâts en moins. Ouais, ça peut être intéressant. Là, on va voir. Si ça reste constamment, c'est top. Pas super super, mais c'est top. Moi, j'ai combien de cumul si j'utilise une relique à côté là?
2 cumuls de remparts pendant 10 secondes. Ils arrivent. Très bien. Ils arrivent. Je pensais pas que ça allait le libérer directement. Non non non, reviens. Putain, ça va. Merde. Oh, avec cette créature à la con là. Il est encore parti ? Vas-y, j'ai du feu. Ramène ta fraise. Okay. Objectif atteint. Quel objectif? Quel objectif? Fallait que je tue tout plein de trucs ici, ça? Genre tuer les loups-garous là. Je vois. Ouais, je crois qu'on a tout fait. Coffre. Alors attends, fais voir si tu me fais des dégâts. Hop, ouais, on a rempart automatiquement là. 11%. Là, ça a disparu. Monte. Ouais, ça reste constamment. J'ai envie de dire oui, c'est... Oui, c'est pas mal. J'en sais rien. J'aime beaucoup le régène en fait constant, parce que du coup ça me permet d'être tout le temps, quasiment tout le temps, full en vie. Il y a ces trois anneaux que je peux pas enlever pour le moment. Ça fait partie du build tank, quoi, en gros, pour le moment. Genre immunisé temporairement au malus, réduit de 25% les dégâts quand je suis pas en vie. Là, c'est le régen quand je fais le talent. Là, c'est le régen quand je me fais taper. Ouais. Pas grand chose. Utiliser un mode régénère 10% de votre santé maximum en 10 secondes. Cumulable jusqu'à 30 secondes. Ça, c'est super bien, mais il faudrait en fait spammer les modes. Et moi, j'ai pas vraiment des trucs qui spamment les modes. J'ai des dégâts au corps à corps, accorde 2 cumuls de remparts pendant 7 secondes. Ça, oui, du coup, maintenant on pourrait faire ça, remparts. Parce que maintenant que je sais comment ça fonctionne.
Je vois que ça pour le moment. Bon, bah, je crois qu'on a fini. J'avoue, un régène constant. Alors, normalement, on a fini. Je ne peux pas. Ouais, ça va. Ça fait trop mal. Ah putain. Oh bah, du coup, on fait quoi? On s'arrête là? Ça fait une zone tranquille. Bah, ce qu'on peut faire, à la limite, ça serait... Ouais, s'il reste encore des trucs. Ça, c'est l'horloge. On peut faire l'horloge. Ça va prendre du temps, je crois. Ah, on va essayer de tracer à l'horloge. Si on pouvait marquer la carte. À l'horloge, il y a des anges. Ouais, ouais, c'est bien ça, c'est bien l'horloge. Okay. Donc l'ascenseur, il marche pas parce qu'il est bloqué en haut. Tiens, on va activer ça. Très bien. Je crois que ça combat... Allez, monte. Oh putain, c'est... Ça combat une grosse créature, mais nous on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Après, j'ai déjà reçu le... La récompense, donc pour moi ça va être que de l'argent. Je crois que c'est un anneau. Ah, il y a énormément d'anneaux, donc je me foule pas en disant ça. Aïe, pas tombé. Regarde, qu'il y a aussi un coffre en intérieur que j'avais loupé. J'ai dû me retaper tout le chemin une fois. Il est là. Ok, on y est presque. Faire attention, ça se réveille. Ouais, on y est presque. Là. Et pour trouver l'heure là qu'il faut mettre, c'est l'horloge en fait. Faut mettre la même heure qu'il y a sur l'horloge. Là, il vous l'explique et tout ça. Il y a plein de trucs à lire ici. Grenage.
Donc là, c'est ça, l'anneau, il est là. Voilà. Montre cassée. Moi, je l'ai déjà... Ah non, c'est pas... Bah du coup, j'avais tort. C'est pas... La montre cassée, ça permet de faire un mode. Et ce mode, je l'ai. C'est ça. Altération temporelle. C'est pas mal. Et ça fait ralentissement et tout. Ça peut être pas mal. Là, on réactive l'ascenseur et c'est bon. Et voilà. Il reste cette partie-là. Ah, ça lag bien. Je sais pas pourquoi, des fois, ça, le jeu il commence à bien laguer. Ah là là, l'optimisation, hein, c'est fou. Quoi. Pour l'instant, j'ai du mal à me défaire de mes anneaux. Il n'y a que celui-là que je changerai, je pense. Si jamais je joue en coop, je mettrai celui qui me fait partager. Je crois que c'est ça. Tous les dégâts que vous infligez sont réduits de 10%, donc ça c'est mauvais. Mais applique 50% de tous les soins reçus aux alliés. Donc en gros, avec tous mes régènes et tout, en théorie, je mettrai 50% de tous les régènes sur tout le monde. Sur l'équipe entière. Donc ça, ça peut être vachement bien. Il y a quoi là? Bah il est mort. Voilà. T'es sérieux là? On va rentrer en ville parce que moi je vais faire une pause. On va s'arrêter là. On va regarder les magasins vite fait. Parce qu'on a pas mal d'argent et tout. Je sais que j'ai des nouveaux pouvoirs à récupérer, je crois, des nouvelles armes surtout. Ça, c'est quand j'avais avancé en stream dans l'histoire. Ouais. Voyons ça. Ouais, j'ai ça. Il paraît que c'est vachement bien ça. Ouais, j'ai ça aussi. Donc, c'est quoi les noms? Tu vas pas me dire que le nom il est au-dessus de l'arme et je le vois pas. Parce que ça bouclier cubique et tout, ça c'est des habilités en fait. Donc ça c'est quoi? Projectiles reviennent après impact ou après avoir atteint leur portée maximum, recharger, récupérer les projectiles à coup de 5 projectiles tirant maximum. Munition illimitée, cette arme est sensible à surchauffe. Génère un bouclier cubique qui absorbe jusqu'à 500 dégâts de projectiles ennemis. Ça fait un bouclier, réactiver le mode... Lance le bouclier qui inflige des dégâts aux ennemis sur son passage. Les dégâts sont augmentés si le projectile a été absorbé avant. Ouh, c'est pas mal. Ça faudrait que je teste pour moi. Est-ce que ça peut être bien pour mon build? J'en sais rien. C'est intéressant. Ah, mais après, j'aurais plus la tempête de feu, honnêtement. Jouer sans la tempête de feu contre des boss et tout, c'est chaud. Là, c'est tirer un flux d'énergie électrique qui passe d'une cible à l'autre dans un rayon de 7,5 mètres, infligeant 30% de dégâts dégressifs à chaque cible appliquée. Propulse des barres électrifiées qui se relient aux autres barres à moins de 10 mètres. Chaque barre reliée dure 10 secondes et inflige 20 de dégâts de foudre. Les cibles subissent 50 dégâts de foudre par seconde, 25% de dégâts supplémentaires pour chaque barre additionnelle. Les dégâts sont multipliés par 1,5 en cas de lien avec une autre barre. Les barres plantées dans une même cible ne sont pas reliées. Okay. Putain, quel bordel. C'est une arme à points ça ou pas? Non, je pense pas. Ah, c'est con quoi. Je crois que la fenêtre est trop grande. Je l'ai fabriqué de toute façon. Je vais les fabriquer en stream de toute façon. Comme ça, allez, je les montrerai à ceux qui suivent mes streams. Hey, salut. Et nous, on le verra sûrement sur une prochaine vidéo. Mais c'est juste parce que sinon, je vais pas penser. En fait, je le fais pas parce que je vais pas penser à les montrer en stream pour ceux qui viennent. Du coup, c'est compliqué. Donc comme ça, là, je vais les faire et je les montrerai et tout ça. Puis après, dans la prochaine vidéo, on va sûrement les tester. Donc ça c'est mes armes, maintenant j'ai... Ah j'ai un peu de fer forgé. Je dis pas non. Ok, on va faire... Ça aussi, ça aussi. Voilà. Là il faut, ouais, il faut du fer forgé. Toi t'es combien? T'es plus 8. Presque au max. Honnêtement ça va super vite hein. Merde, pardon.
Ouais, j'ai un peu dépensé de l'argent. Mais ça va super vite de monter le niveau des armes et tout. Faut pas croire, hein, le jeu il est pas... Si vous arrivez pas à un boss ou un truc, bah cassez-vous et faites autre chose quoi à côté. C'est un peu comme Elden Ring. Hein. Si vous pensez qu'Elden Ring est difficile, passez à un autre boss, allez autre part, montez de niveau, trouvez des nouvelles armes. C'est super simple. Hein. Ça je crois que c'est pour récupérer médecin ça. Nouvelle classe. Enfin, une des classes de base que j'ai pas. À la prochaine. Pas pris. Ouais, on va s'arrêter là. Alors, je suis content, nos armes, on les a augmentées. Surtout les armes, du coup, ma tempête de feu fait encore plus mal. 135 de dégâts de feu. Après, pour les armes à énergie, j'ai ça en amulette. Augmente les dégâts de foudre de 20% et la surcharge de 50%. Ça peut être vachement bien pour l'arme de foudre. Ça va pas vraiment avec mon build. Mais on pourrait tout changer. Enfin, quoi qu'honnêtement, en tank avec une arme électrique, je pense pas que... Enfin, une arme à surcharge, là. Je pense pas que ça soit très utile, honnêtement. Ouais, je pense vraiment pas que ça soit utile. En tout cas, on va s'arrêter là. Voilà, c'était un bon niveau. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.